Bonjour à tous et à toutes. Vous savez certainement, si vous écoutez mes vidéos et celles d'autres youtubeurs qui interviennent sur ces thèmes, et si vous lisez également des ouvrages spécifiques, c'est que les personnes perverses, ces personnes toxiques, nocives, avec une structure plutôt perverse, on va dire, hein, considèrent que la sensibilité, que la remise en question, par exemple, hein, je prends ces deux paramètres, sont des faiblesses. D'ailleurs, j'avais reçu à l'issue d'une de mes vidéos une remarque qui allait dans ce sens, en disant que si j'étais victime de pervers, c'est parce que j'étais faible. J'ai enlevé le commentaire, j'ai répondu de façon assez d'ailleurs correct mais un petit peu sèche, en disant qu'au contraire, c'était une preuve de force et ça prouvait que j'étais quelqu'un d'intéressant, même si c'est une réduction un petit peu de dissonance, hein. Et d'ailleurs, cette personne, je savais qui c'était, hein. Voilà, j'avais identifié. On ne m'a pas cru d'ailleurs quand j'en ai parlé. Bon, c'est comme ça. Je suis un peu comme Cassandre, moi, on ne me croit pas. Vous me croyez, je pense, parce que vous avez été victime. Mais les autres, souvent, ne me croient pas ou me croient trop tard. Voilà. Et donc, si vous commettez un impair, quel qu'il soit, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée en tête précise, vis-à-vis, d'un pervers ou d'une perverse, et que vous présentez des excuses en disant vraiment, je suis désolé, je ne savais pas que il ne fallait pas, je sais pas, que je réponde au téléphone à ta place, je ne savais pas que je ne devais pas, je sais pas, rien ne me vient à l'idée. Prendre ce document que tu en avais besoin, vous excuser avec sincérité, vous ne saviez pas réellement, et d'ailleurs peut-être parfois que la personne perverse a fait en sorte que vous ne le sachiez pas, que vous ne le sussiez pas d'ailleurs, oui, enfin bref, non. Voilà, elle a peut-être fait en sorte que ça ne vienne pas à vos oreilles, que vous n'ayez pas connaissance de cette interdiction que vous avez transgressée à votre insu, peut-être, mais ça, ce n'est pas sûr. Et vous vous excusez donc platement. Vraiment, je suis désolé. Oh, j'espère que ça t'a pas embêté. Et curieusement, au lieu de dire, mais non, ça va pas du tout embêter, c'est pas grave finalement, laisse tomber. Il faudra qu'on y pense la prochaine fois qu'on communique mieux. Voilà, bon, voilà, une personne saine dirait ça, quelque chose dans le genre. Une personne perverse pourrait le dire également, mais ça serait encore de la manipulation. On va pas entrer dans ce jeu-là ce soir, hein. Eh bien là, la personne, contre toute attente, va vous reprocher sèchement de vous être excusé. Oui, parce que pour elle, ce genre d'excuses, même si elle, après, dans d'autres circonstances, elle va peut-être les réclamer, ces excuses, cette personne, mais elle considère que c'est de la faiblesse de s'excuser. Voilà. Voilà, on a, avec des attitudes comme ça, on est pas certain à 100%, parce qu'il y a peut-être il peut y avoir des autistes Asperger qui peuvent réagir comme ça, il peut y avoir d'autres profils, mais on est presque sûr qu'on est face à une personne qui va nous poser problème. Voilà. Rien qu'avec ça. Bon, en plus de ça, en général, on a d'autres éléments, d'autres indices qu'on a eu par ailleurs, hein, en général. Et vraiment là, c'est vraiment quelque chose qui doit vous alerter. Vous ne devez pas forcément paniquer, mais ça doit vous alerter. Voilà. Voilà, merci de liker, de diffuser la vidéo et de me faire part de vos commentaires si vous en avez. En attendant, bonne soirée et à la prochaine fois.